Et what's up guys? C'est ce que vous entendez tout le temps des PNJ dans GTA V. Donc ce qui veut dire salut les mecs. Donc je peux pas vous commenter ça en live, tout simplement parce qu'on a invité une troisième personne avec nous dans la session. Donc il y avait Aurélien et moi. Et la troisième personne, elle avait un micro qui buguait, du coup ma voix elle était en double. Donc c'est ce qui fait que je peux pas vous mettre le live parce que c'est il y a des bruits bizarres. Donc là le défi c'est se poser sur un titan avec un titan, ensuite une fois qu'il est posé, sauter et atterrir dans une piscine. Alors je vous avoue qu'au début on voulait pas le faire. Quand on a vu ça, on s'est dit c'est digne d'un épisode de MacGyver et donc c'est pas faisable pour nous. Et puis après, on a eu un petit coup de speed et on s'est dit, vas-y, pourquoi pas, on va tester. Et au premier essai, ben, on a vu que ça avait plus ou moins fonctionné, mais bon, on a eu quelques petits problèmes. J'ai mon titan qui a explosé sur celui d'Aurélien. Du coup, j'avais quand même eu le temps de sauter et j'ai atterri à côté de la piscine. Donc on s'est dit que c'était faisable. Donc on a décidé de le refaire. Et ben quand on l'a refait, on s'est raté encore une fois. Donc on l'a refait. Je crois qu'on l'a refait 4 fois. Et voilà, donc bref, on se fait un petit vol en formation. Une fois qu'on est chaud, donc là il y avait Aurélien qui me disait bah dépêche-toi de te poser parce qu'on va passer la piscine. Donc ça serait bien que tu te poses avant qu'on la passe, parce qu'apparemment. Moi je balance, mais il a dit qu'il n'était pas très bon en wingsuit. Sachant que d'ici en wingsuit, on peut presque aller jusqu'à l'aéroport. Donc ça va, moi je pensais qu'on avait le temps. Donc voilà, là je me suis posé, on a coupé les moteurs. Il me disait, c'est bon, saute, saute, vas-y, on a coupé les moteurs, ça y est, tu veux quoi de plus? Et moi je lui disais, attends, attends, vas-y, encore un petit peu. Donc voilà, donc après on a sauté. Et là, il me disait qu'il voyait pas la piscine. Donc il me suivait, il me disait putain, elle est où la piscine, je la vois pas. Et moi je lui disais bah là, devant moi, regarde. Mais en fait, nos points sur la map, quand on est en wingsuit, bah on voit pas vraiment la vraie position. Donc bref, il a retrouvé la piscine. Et là, vous allez voir, on va faire un truc qui est pas mal. Bon, on voulait viser le jacuzzi à côté, mais on s'est dit non, faut pas abuser. Piscine pour moi et piscine pour Aurélien qui est juste derrière moi. Donc vous trouverez le lien de sa vidéo dans la description de cette vidéo, parce que lui aussi l'a filmé et vous pourrez voir ce que ça a donné. Donc voilà, j'espère que ce défi vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a plu de le faire. La prochaine fois, on le fera en live, hein, mais là, vraiment désolé, c'était le micro de la troisième personne qui était horrible. Et voilà, sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.